Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai reçu trois repas lyophilisés. Deux de cette marque-là et un de cette marque-là. Alors, je vais vous expliquer. Alors, c'est des produits que j'ai reçus, hein, ce que j'ai payé avec mon argent. Ce n'est pas des produits que j'ai reçus gratuitement pour donner mon avis sur le goût ou autre. De toute façon, la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur le terrain pour vous expliquer mon retour sur le terrain. D'accord, comme ça je vais donner aussi de mes nouvelles de ma chaîne. Alors que je me plante pas, puisque j'ai la. Ça c'est un porc. Je suis désolé. Hein. Effiloché. Avec du riz. Et en plus, d'abord c'est ce qu'il m'avait dit Sébastien, hein, le traqueur compulsif. Dedans il n'y a pas d'air. Donc c'est vraiment. Il est sous vide, c'est le top. Hein. Donc pour ranger, puis déjà c'est déjà un peu plus solide. Mais c'est quand même constitué, hein, donc c'est quand même, il y a ça de bouffe dedans, par rapport à d'autres d'autres produits. Donc à mon avis, ça va être bien, bien tenir aux ventes. Donc il y a celui-ci. Ça c'est des macaronis au fromage. Je vais les manger, forcément je vais les goûter. Hein. Puis je vous dirai au juste mon avis sur la texture, si c'est bon ou pas bon. Parce que je prends un par un. Comme ça, par la suite, quand je vais redémarrer mes randos, je saurai ce que je vais prendre ou pas. Ok. Et le troisième, de toute façon, il y en a d'autres qui vont arriver la semaine prochaine. Lui, c'est un ragoût de bœuf. Ça me permet de goûter plusieurs repas. De marques différentes. Parce que la dernière fois que Sébastien me s'appelle Trekker Compulsif, on discutait par rapport quand ils vont faire leur trek fin août, de savoir comment ils allaient pouvoir transporter leur bouffe. Et il m'a dit la marque Reel, tout est sous vide, donc c'est le top. Hein. On voit bien, hein, je m'en pars. Hein. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose là-dessus, hein, mais moi j'aime bien quand même détailler. Donc, la semaine prochaine, je vais faire une petite sortie vélo, mais j'irai avec dans les bois. Donc, forcément, les pneus que j'ai dessus, je vais les enlever. Hein, je vais mettre des pneus adaptés pour le tout-terrain. Ce sera plus facile. Et puis, voilà. Je vais faire une vidéo, ne vous inquiétez pas. Et puis, la semaine prochaine, sur le terrain également, je ferai une vidéo. Pour vous expliquer au juste ma situation de la chaîne et puis ce qui va se passer par la suite, mais c'est du positif, ça va redémarrer. C'est un peu compliqué en ce moment, mais bon, chaque jour on s'entend. Donc voilà, et puis ça c'est une pochette que j'avais achetée forcément sur le site trekking site au summit, dans ce qui va me permettre directement de stocker mes repas dedans. Dans cette pochette, on met directement des sous-vêtements. Et moi, je l'ai acheté uniquement pour le côté pratique. Hein. Vous voyez, hein, je m'en parle, hein, c'est site ou summit. Hein. Taille S. Et donc, par la suite, vous voyez, je vais. Enfin, ceux-là, je ne vais pas vraiment les déconstituer. Hein, ils vont rester tels qu'ils sont. Puis ça va me permettre de les mettre debout. Vous voyez. Puis je prendrai la quantité qui m'intéresse. Et quand je prendrai directement la marque, mettons MX3. Là par contre, MX3, je vais directement retirer du sachet pour les mettre directement, on s'appelle, dans un sac plastique quand on met directement au congélateur. Voilà. Mais bon, genre, d'ici là, de toute façon, je ferai une vidéo et je vous expliquerai comment je vais procéder. Allez, à bientôt. Et puis, parce que moi, demain matin, c'est de la route, hein, c'est avec le vélo. Et puis, de toute façon, je vous tiens au courant. Allez, bon week-end.